Après plusieurs années au château de Goulaine, le Salon du chocolat et des épices s'installe cette année, salle du Quatrain à Haute-Goulaine, les 26 et 27 octobre 2013. Nous avons recréé une nouvelle association qui s'appelle les Épicuriens solidaires du vignoble. Et je suis allé voir les maires de la communauté de communes qui tous, surtout Jean-Claude Daubis, le maire de Goulaine en tête, ont bien voulu et ont souhaité que l'on fasse cette année le Salon du chocolat des épices et des saveurs, ça a changé un peu de nom, au Quatrain. Donc on a un petit peu élargi le champ de nos exposants pour que les saveurs fassent partie du salon de cette année. C'est très très parfumé, c'est excellent. Et toujours en partenariat avec Laurent Sodeau, le chef deux étoiles bien connu de Haute-Goulaine. Alors, à part les exposants, le programme, c'est, nous allons faire des démonstrations de culinaires. Et puis, nous avons prévu une restauration sous chapiteau. Et après, cet après-midi, des ateliers chocolaterie pour enfants. C'est-à-dire que les petits pourront venir ici, s'initier au chocolat. Je pense qu'on va leur faire faire des sucettes en chocolat, enfin des petits sapins de Noël en chocolat, des choses comme ça. Alors ce qu'on espère, c'est que ça s'installe ici durablement, que tout le monde soit content. D'ailleurs, le maître mot que j'ai demandé à mes amis cette année, c'est la convivialité, que tout le monde se sente bien au Quatrain, surtout le public bien évidemment.